Anono, village situé dans la commune de Cocody. C'est ici que chaque matin, ces femmes se regroupent en équipe pour produire la tiégué. Après plusieurs années dans ce secteur d'activité, elles sont aujourd'hui spécialisées dans la transformation du manioc. Un savoir-faire qui se transmet de mère en fille. La tiégué est un mets traditionnel ivoirien, fait à base de manioc. De l'épluchage à la cuisson, aucune étape ne leur échappe. Tout un processus. Première des choses, on fait manioc. Et manioc, on fait 3 jours. 3 jours après, on commande le manioc arrive et on épluche le manioc. Quand on épluche, on lave et on fait venir la machine et on fait broyer le manioc. Et quand c'est fini, on met en bas de la machine, on serre. Et si c'est sec, on appelle les femmes et puis ils viennent nous aider à taper, faire les grains de manioc. Et quand on finit de faire les grains, on sèche, on finit de sécher et on tamise avec les grillages. Il y a plusieurs grillages, il y a petit, il y a gros, et on tamise. Et quand on finit de tamiser, on envoie. Et puis, on met notre marmite au feu. Et la marmite au feu, on met dans la marmite. Et on fait cuire la tiégué. Et quand on fait cuire la tiégué, quand c'est fini, on enlève dans la marmite. Et quand les gens nous appellent pour la commande, on fait. Et il y a d'autres qui envoient les étiquettes, on met dessus. Il y a d'autres qui envoient les sacs, on met dedans. Les femmes comme garçons, ils viennent chercher et ils s'en vont. Ils mettent dans les sacs, arrivés à l'aéroport. Et puis, ils expédient ça pour aller vendre. Si la commande est beaucoup, on peut faire 1 semaine. Et si la commande est moins, on peut faire 2 jours, 3 jours. Et on laisse refroidir, ça fait 1 jour, 2 jours aussi. Ça se refroidit et puis, ils viennent chercher pour mettre dans les sacs. Avant le manioc, là, il n'y a pas de produit. Quand eux-mêmes, ils prennent le manioc peut faire au moins un an et demi. Et moins 2 ans, ils enlèvent le manioc. Maintenant, avec les produits pour arroser les champs, ça fait que le manioc ne dure pas tellement. Mais ça dépend de toi qui fabrique le manioc. Et tu fais bien cuire la tiégué, ça peut rester pendant 1 mois et demi, 2 mois dans le bateau et puis ça s'en va. Même des fois, quand ça arrive avec l'avion, ça fait 2 jours, 3 jours, ça arrive. Et ils mettent au congélateur et puis ils commencent à vendre. Le manioc est pelé, râpé et mélangé avec un manioc fermenté, appelé communément manioc. Ce que vous voyez ici, c'est de l'huile rouge qui est là. Bon, de l'huile rouge, on ne peut pas renverser directement dans le manioc. Il faudrait qu'on prépare d'abord. Parce que lorsque tu renverses dans le manioc, la tiégué rougit. Voilà, la tiégué rougit. Donc, c'est comme si l'huile rouge que vous voyez, on doit préparer pendant 30 minutes. Après les 30 minutes maintenant, on peut renverser dans le manioc. Je vais essayer, voici ça. Voilà. C'est grâce à cette huile que vous voyez que l'atiqué défait. Parce que sans ça, l'atiqué ne peut pas défaire. Parce que lorsque l'huile n'est pas dans le manioc, le manioc, l'atiqué devient un qu'on appelle placali. Voilà, on ne peut pas préparer. Ça devient placali. Donc c'est grâce à cette huile qu'on prépare l'atiqué. Et on fait de l'agbodjama, gros grain, agbodjama petit grain. Il y a 3e et il y a 4e aussi. C'est ça, souvent les blancs viennent chez nous en Côte d'Ivoire ici pour acheter, pour aller faire gari, mélanger avec du lait et du sucre. Elles sont aidées par les hommes dans leurs activités.
qu'on fait chaque jour, on passe, les femmes, quand elles finissent comme ça, elles nous appellent, allô, oui, on a fini de faire, bon, venez vous épiler, on vient, on pile, on s'en va. Elles ne déplacent pas le moyen pour aller quelque part, tu vois. Voilà, c'est super, c'est bon. Voilà, le métier aussi, dans ça, on paye nos maisons, on se nourrit avec. Après toutes ces étapes, on passe à la phase finale, la cuisson qui se fait à la vapeur. Ces dames ont su fidéliser leurs clients. Quand il y a commande, il m'appelle de là-bas, une semaine avant. Puis on fait, quand on a fini, il vient chercher, puis ça s'en va. Il y a d'autres qui mettent dans un conteneur, il y a d'autres qui mettent dans l'avion, et puis ça s'en va. Ça, là, ça prend l'avion pour partir vite. Et ensuite, on met dans le conteneur, ça fait un mois avant d'arriver là-bas. Il y a quelqu'un que nous, on fabrique ici, là. Ça peut rester qu'à un mois, sans problème, rien. Ça peut même pas faire quelque chose même. Il y a quelqu'un et puis il y a quelqu'un. L'attiéké, l'un des aliments les plus consommés par les Ivoiriens. Attiéké gros grain ou agbodjama. Attiéké petit grain. Attiéké de Garba, les grains sont agglutinés entre eux. L'attiéké made in Côte d'Ivoire s'exporte partout.